Quelques icônes byzantines relativement belles, datant sans doute du XIe siècle. Mmh. Le reste... À quoi tu vois ça? Jusqu'au VIe siècle, à Byzance, les icônes étaient peintes à la cire, ensuite à la détrempe. Et les autres, tu disais? À de minables croûtes. Peintes à la chaîne et en plus, à l'acrylique, c'est tout dire. Non, sans aucune valeur. Ce qui m'étonne quand même, c'est que ce soit les seuls qui soient à vendre. Toutes les byzantines sont vendues déjà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais je te l'ai dit, à part les trois icônes, d'ailleurs marquées vendues, le reste, c'est vraiment de la camelote. Hein. C'est peut-être pour des gens qui n'y connaissent rien. Ben, ces gens-là, je vois pas. Ils rentreront pas dans une galerie. Ils iront s'acheter un sous-bois plein de biches à la Samaritaine au bon marché. Mais en aucun cas le triomphe du collectivisme, ni une icône pâte au pistolet. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Mais alors quoi, je sais pas. Mais je trouverai. Hein. Ouais. Moi, il y a une chose qui m'a gênée quand même dans ces icônes. Elles sont peintes sur un bois beaucoup trop épais. Ça, c'est complètement inhabituel. Je sais pas. Ah ouais.